La prochaine chanson qu'on va vous jouer, elle est pour tous les amoureux. Est-ce qu'il y a des amoureux dans cette salle? Oui! Ah, t'as l'air très amoureuse, toi. Ça fait longtemps? 2 ans et demi! 5 ans? Non, 2 ans et demi! C'était toi? Non! C'est trop chaud! Applaudissez-la, s'il vous plaît. Non, je vous jure, c'est un truc de dingue! Je suis tombée sur exactement le même couple à l'Olympia, mais c'est monsieur qui m'a dit que ça faisait 5 ans. Bon, en tout cas, je vais pas te poser la question, je pense que c'est toujours d'actualité, donc... Mais est-ce qu'il y a des couples ici? Oui. Oui. Non. Non. Oh mon Dieu. Remarque, il y a mieux comme parole pour se marier, mais bon... Merci beaucoup. Bon... Même si vous êtes mariée, je peux vous poser une question. Vous êtes sûre d'être avec la bonne personne? Certaine? Sûre, sûre, sûre? Et est-ce que quelqu'un ici a déjà eu l'impression qu'il était avec la mauvaise personne? Ça glousse, ça se regarde, mais ça répond pas. Est-ce que quelqu'un ici, sincèrement, a déjà été amoureux de la mauvaise personne? Oui? Levez la main. Moi, j'avoue. Je suis sûre qu'il y en a plus que ça, vous n'êtes pas beaucoup à assumer. Hein. Non, vous savez, cette personne qui littéralement vous détruit et vous déchire le cœur en permanence, mais vous retournez en permanence vers elle aussi, comme si... C'est elle qui allait être la solution à votre problème, alors que le seul problème, ben, c'est elle, évidemment. Eh bien, malgré mon jeune âge, j'ai eu affaire, malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire, à cette mauvaise personne, et c'est grâce à elle que j'ai écrit quelques-unes des chansons de mon album, et aussi « Feed the Wolf in Me ».